plusieurs niveaux de stage qui vont des tout petits jusqu'aux 16 ans. Et en fait, c'est différents stages pour différentes tranches d'âge sur différents sites. C'est au volontariat de chaque joueur de venir voir un petit peu ce qui se passe au stade toulousain. Et nous, l'effet induit, c'est qu'on peut aussi repérer certains joueurs qui auraient des capacités pour intégrer le stade toulousain. Il y a bien sûr l'entraînement du stade toulousain avec le savoir-faire du stade toulousain en termes de formation. Il y a aussi le fait de côtoyer les joueurs professionnels, d'assister aux entraînements, de pouvoir discuter, échanger quelques ballons avec eux et tout ça dans une ambiance assez conviviale parce qu'on a tous la même passion là et tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est quand même le rugby et c'est ce qui doit nous animer avant tout. Programme du rugby, bien sûr, je pense qu'ils sont venus pour ça et l'essentiel de notre programme est de leur faire vivre une expérience à part, une expérience un petit peu hors du commun dans notre grande famille rouge et noir et je pense qu'on a tout ici déjà, on a la structure et on a les gens pour pouvoir accueillir de plus en plus de jeunes. C'est intensif parce que c'est court, ça dure, il y a six jours d'entraînement, donc il y a un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi, il y a également des séances de conditions physiques avec la préparatrice donc du stade toulousain. Donc oui, c'est sûr qu'au niveau sportif, par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de pratiquer en temps normal, deux entraînements de semaine, c'est sûr que ça fait un condensé important sur une semaine. Ouais. On essaie d'avoir la même attitude et le même type d'encadrement que ce soit sur le rugby ou sur la vie quotidienne. Nous, ce qu'on leur apporte en dehors des temps de rugby et d'entraînement, c'est qu'ils puissent manger, se reposer et être dans de bonnes conditions pour être le plus en forme possible sur les temps d'entraînement. On propose aussi beaucoup de jeux de cohésion de groupe, des moments de détente, d'amusement et on essaie bien sûr aussi d'éveiller un petit peu les esprits à tout ce qui est vie en collectivité, esprit d'équipe, respect des autres, respect des différences, voilà. Ce genre de choses qu'on travaille au quotidien. Ah, c'est une vraie chance, je pense que c'est une vraie chance d'avoir des jeunes qui partagent ces moments-là, c'est un petit peu intimiste, c'est un petit peu c'est privatif, donc c'est vrai que ça fait plaisir et cette expérience va mêler aussi bien le rugby sur le terrain que le rugby en dehors. Et partager des moments avec nos professionnels, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour eux et pour remplir leurs yeux d'étoiles. C'est une super chose et... Bon, on voit que la relève est présente, ils sont de plus en plus grands. Hein. Ils sont de plus en plus grands. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'ils profitent bien de cet été pour parfaire leur technique et puis prendre du plaisir même en dehors du terrain parce que j'ai cru entendre qu'il n'y avait pas que le rugby lors de ces stages. Donc je pense qu'ils vont bien s'amuser. C'est bien qu'il y ait des stages organisés au stade, comme ça permet de nous voir l'entraînement aussi et je pense que c'est des moments intéressants pour eux. J'ai déjà fait quelques stages de rugby quand j'étais un peu plus petit et ouais, c'est toujours sympa de venir à la rencontre des pros et peut-être que quelques années avec mon gosse c'est moi qui viendrai les voir eux donc c'est sympa. Que le Stade Toulousain, en plus d'être un club performant, c'est un club qui est ancré quand même dans la vie de la cité, dans la vie de la région, dans la vie du sport national. Donc on a aussi ce rôle de faire en sorte d'apporter notre savoir-faire au plus grand nombre. Et à travers ces stages, c'est vrai que c'est un peu ce que l'on veut donner, rendre accessible un petit peu le Stade Toulousain au plus grand nombre et pouvoir faire en sorte de jouer le jeu de la formation française. Franchement, c'est une opportunité magnifique de rencontrer le monde des pros, de faire beaucoup de sport et en même temps de se préparer pour notre reprise en club. Et c'est vraiment une belle initiative qu'a eu le stade de faire ça. Voilà.